La vitesse d'exécution, c'est le temps minimum qu'on va faire pour réagir. Vitesse d'exécution. C'est comme si lui va m'attaquer. Bien. Il va m'attaquer brutalement. Calme. Vitesse d'exécution. La vitesse maintenant de perception. La deuxième, c'est la vitesse de perception. C'est la capacité de détecter une situation dans sa logique. Il va m'attaquer. C'est ça touché. Sans être point et pied. Touche, 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 touche. Je perçois le danger. C'est-à-dire je vois le danger. Maintenant, si par exemple, vas-y doucement, un, et je fais comme ça, il n'y a pas de perception. Parce qu'il a attaqué là, un, je bloque en haut. Il est à coup de poing en haut, je coup de poing en haut, coup de poing en haut. Je fais comme ça. Parce que la vitesse de perception n'est pas travaillée. Hein? Donc, certains, ils peuvent avoir la vitesse d'exécution, boum, ils tapent. Mais ils ont un problème de vitesse de perception. C'est-à-dire, dans le combat, ils ont du mal à éviter un coup. Ils peuvent frapper, mais ils ont du mal à éviter un coup. Encore. Charles, si tu veux. Bon? Mais la vitesse de perception, moi, ils tapent. Situation amenant. Regardez, ah, coup de poing au visage, c'est un coup de poing au visage. Tant que, un coup de pied. Se voit le danger que c'est ça. Mais pas coup de poing, regardez, coup de pied. Il y a un problème de perception. Donc il faut travailler ce niveau de perception. Maintenant, nous reste la troisième. Ça, c'est le highlight, la vitesse cérébrale. C'est à dire quoi? Un, il y a la vitesse de perception. Mais dans l'immédiat, je prends du temps pour trouver une technique à faire. C'est à dire que... Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Ça, je n'ai pas compris. Le cerveau prend du temps pour trouver une réponse. Appropriée, adéquate, appropriée, nette. Le cerveau, il va détecter qu'il y a un danger. Hein? Il détecte qu'il y a un danger, il évite. Mais pendant le mouvement, il lui faut du temps pour trouver une réponse appropriée à l'attaque. Parce qu'il n'y a pas de vitesse cérébrale. Le cerveau ne peut pas dans l'immédiat la réponse. Maintenant, si on a cette vitesse, qu'est-ce que ça donne? Ça. Ça c'est la vitesse de cérébrale. Je vois le danger, je trouve une réponse immédiatement dans l'immédiat, une réponse adéquate. Et non maintenant, madame, une attaque, je bloque ici et après. Je veux faire. Il faut que, dans l'immédiat, trouver la réponse. Encore. Ouais, je pensais qu'il allait venir coup de pied. Mais en tout temps, il a attaqué coup de poing. Et malgré cette pensée, de détecter pensant que coup de pied. L'Europe de la maison aussi, défendu de manière appropriée. C'est ça la vitesse cérébrale.
Donc tout pratiquant d'art martiaux doit savoir travailler la vitesse d'exécution. Maintenant cette force, cette vitesse, tu l'auras que si le corps est relâché. Exécution. Et après cérébral, perception. Il perçoit la technique, le danger. Oh, il voit que c'est du danger, il faut l'éviter. Encore. Voilà, le danger. Cérébral. Voilà. Il faut éviter la technique, mais il faut appliquer une technique sur l'adversaire. C'est des niveaux à tout pratiquant d'art martiaux. Il faut travailler en fonction de ces trois niveaux. Si vous voulez aller à l'envers là-bas. Sinon, ça devient du mécanique. Pour le cerveau, le combat, c'est dans le cerveau, c'est pas la technique. La technique, c'est après. Hein? Voilà. Parce que quand tu fais, pourquoi beaucoup ils ont du mal à avoir la vitesse de le cérébral? Parce que c'est le cerveau qui commande. Quand il m'attaque, le cerveau dit, il y a un danger. Maintenant, il faut que le cerveau calcule très rapidement pour trouver une réponse appropriée, adéquate à l'attaque. Maintenant, si vous avez une mémoire RAM de 2 gigas, c'est différent de celui qui a, attaque n'importe laquelle, une mémoire RAM de 8 gigas ou de 6 gigas. C'est différent. La vitesse de calcul, c'est dans la tête. Le combat, c'est dans la tête. Mais nous, on fait l'inverse. On travaille la technique, le physique, la technique. On oublie le moteur qui déclenche, qui commande les mouvements. Et c'est le cerveau qui donne l'ordre au muscle d'exécuter un mouvement. Nous, on travaille le muscle, on travaille la technique, on travaille tout. On laisse le moteur. Et ces réflexes doivent être naturels. Ça doit être d'une manière improvisée. Le cerveau doit réagir face à n'importe quelle situation pour s'adapter. Ça se passe dans la tête. C'est pas la technique. La technique, c'est après.